aficionados. Faites le stream. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ah, il n'y en a pas aujourd'hui. Non. Ah bon. C'est le lundi, mercredi, toute la journée et le jeudi après-midi. Ah d'accord. Merci. Aficionados. Salut. Salut Jean. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Oh, il y a un peu de tout comme tous les jours. Hein, ouais, c'est bien. Un peu des affaires en général. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, en tant que public, hein, on voit souvent les mêmes têtes qui sont dans le box. Mais oui, mais ouais. C'est des habitués. L'autre jour, là, j'étais étonné, il sortait de prison. Le jour même qu'il sortait de prison, il a été volé. Oui. Et il s'est retrouvé le soir. Il retourne en prison le soir même. Un client satisfait, c'est un client qui revient. Voilà. Là, il y en a qui reviennent. Ah, ouais. Une affaire Colonna, s'il vous plaît. L'affaire Colonna, c'est la Grande Côte d'Assises. La Grande Côte d'Assises. On prend à droite de suite, là, tout le monde, à la Grande Côte d'Assises. D'accord. Mais on m'avait dit qu'il y avait, comment il s'appelle, l'avocat, qu'est-ce qu'il est connu, là. Wexner. Non, pas lui, non. Comment il s'appelle, qui fait du pénal, là. Ah, je ne sais pas. Dupond-Moretti. Voilà. Oui. Et vous croyez qu'il sera là? Oui. Je l'ai appris par la presse, moi. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. On ne va pas tout savoir si c'est non, pas non, 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 non. Eh bien, un viol, c'est un viol. Eh bien, un viol, c'est pas du voyeurisme. Non, un mais, viol. Non, mais qui dit viol dit aller dans le sordide de la chose. Mais non, mais aller non, dans non, 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 c'est un viol. Il n'y a pas de sordide. Viol sur mineur de 15 ans. Ouais. Ça va être à huis clos et ça va être un bon procès. Ça, mais ça va être un quand bon tu procès. Dis bon procès, c'est par rapport à quoi? Bon procès, c'est parce qu'il va avoir des doutes. C'est ça qui est un bon procès. Ah, ça, quand il y a doute, il y a un bon procès. Ben, bien sûr, quand le type a avoué, qui vient et dit oui, c'est moi qui ai tué, ou c'est moi qui ai violé. Qu'est-ce qu'il y a comme procès après? C'est fini. Il a avoué. Aficionados. Comment ça t'a pris la première fois que... La première fois que j'ai été faire les papiers pour avec la séparation avec ma femme. Ouais. Puis, je sais pas, je suis rentré dans une salle. Et là, je suis carrément tombé dans l'addiction. Quand je suis là-dedans, si j'ai des soucis, j'oublie mes soucis, je me mets dans le truc, j'oublie mes problèmes. C'est vrai, c'est et vrai. Et après, je regarde ma montre, je suis une merde, déjà. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on a un problème. Ils voient ça tous les jours. Moi, j'ai tous les jours. Ils nous voient là-bas, ils nous voient là-bas. Force à force, on a créé des liens entre nous déjà, avec la police. Ils sont pressés de sortir de là-dedans et nous, on y va. Ils sont bizarres. Il y a un flic, il m'a dit, il fait beau comme ça, un soleil comme ça, qu'est-ce que tu fous là? Des fois, combien de temps tu restes sans y aller au tribunal? Oh, je sais pas, le maximum, c'est 3 mois. 3 mois? L'été, quand il fait beau. Ouais, l'été, bah oui. Je me force un peu à contrôler mon addiction. Allô? Salut Jean-Pierre. Restaurant à l'Étoile. C'est en place. C'est au vin. Ben, que je overkant, overnouf, tu en plots. En plots, tu vis-à-vis de la Kirche. Salut! Là, j'étais au procès. C'était un viol. Un viol aggravé. Ouais. Où le monsieur avait 85 ans. Et là
85 ans, donc naturellement, on ne va pas dire qu'il a fait à 85 ans. Mais disons... Pour ceux qui ont des doutes sur leur sexualité, ça laisse des espoirs, pas mal. Hein, parce que j'ai pas le nombre de personnes. Oui, il y a beaucoup de gens qui croyaient seulement le problème qu'il y a, c'est que maintenant, avec la nouvelle loi, il peut revenir jusqu'à 20 ans après la majorité. Donc là, ce n'était pas des. C'était non, pas c'était des une chose qui était arrivée il y a. C'est arrivé. Mais quand je l'ai vu arriver, j'ai eu peur. Et c'est un monsieur qui arrive, soutenu par deux bonnes femmes, ouais. Avec un grand sac dans la main. Il avait le début de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Et en plus, il était incontinent. Donc c'était une interruption des procès à tout bout de champ, quoi. Alors, même pas, ça allait. Il portait des couches, donc ça marche. En finalité, l'avocate générale, elle demande uniquement 5 ans. Ouais, bon, ça semble... Alors moi, j'ai... Ça t'étonne, ça? Oui, ça m'a étonné, parce qu'elle avait parlé de 20 ans au début, et après 5 ans. Alors pour moi, c'était... Bon, la personne à 85, je te rappelle quand même. Hein. Oui, alors le problème qu'il y a eu... C'est de ridicule quand tu demandes 30 ans pour quelqu'un qui a 85 ans. Ça c'est... Là, tu as raison. Oui, mais il y a quand même un truc, parce que... Alors à ton avis, c'est quoi la juste peine? Je te coupe. Oui, bah, qu'est-ce que tu aurais mis, toi? Tiens, si toi, tu avais été à la place. Moi, je me posais déjà la question s'il fallait encore faire le procès ou pas. Bah, j'en suis pas convaincu. Lors de ces auditions, ces hommes avaient mis en cause Yvan Colonna. Aujourd'hui, à la lumière de récentes décisions concernant les gardes à vue, les avocats d'Yvan Colonna estimaient que la Cour devait déclarer ces gardes à vue irrecevables. Ces documents, ces déclarations sont des pièces maîtresses de l'accusation. Allô, Denise ? Donc, c'est moi qui ai été cet après-midi au procès Colonna. Oui, qui est aux assises, là. Il avait été dénoncé par ses colistiers, et puis après il s'est rétracté, il a dit qu'il n'avait jamais participé. Ça paraît bizarre quand même, non? Oui, mais c'est peut-être pas lui qui a tiré, mais à mon avis, c'est lui qui a organisé ce complot, parce que ça paraît quand même bizarre, parce que les autres, je les ai vus, moi, je les ai vus lors de leur procès. Ce sont des agriculteurs, ce genre de gens, ils peuvent tuer, je veux dire, si par exemple un crime passionnel, mais organiser un truc politique, on ne saura jamais le faire mot de l'histoire. Oui, parce que dis donc, c'est... oui, mais c'est ça, oui, l'indépendance de la Corse, oui, c'est ça qu'ils veulent. Mais à n'importe quel prix, c'est-à-dire en tuant, s'ils ne l'obtiennent pas par le... L'Espagne, c'est pareil. Oui, ils voulaient l'indépendance du Pays Basque, mais ça ne marcherait pas. Quand tu te rends compte que maintenant, les jeunes, là, ils leur font apprendre le basque. Il serait mieux d'apprendre l'anglais, hein. Parce que moi, je connais des Bretons, c'est pareil, hein. Au lieu de dire au revoir, ils disent qu'en avou. C'est quand même incroyable, hein. C'est fini. C'est excitant aujourd'hui, hein. Ah là là. Allez, bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors toi, cet après-midi, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Imagine-toi que c'était un ancien militaire. Enfin non, pas ancien militaire, il est toujours militaire. Un adjudant-chef. Il avait été pris en 94 sur une plage de Bretagne. Tout nu comme ça, et donc les gens avaient porté plainte, il y avait sur la plage, ils avaient porté plainte. Et là, le jour de Pâques, aux alentours de Pâques, il y a eu près de chez lui une chasse aux œufs pour les enfants dans les bois. Et lui, il a été, et il s'est exhibé, donc tout nu en train de se masturber, et il y avait deux mères de famille qui ont vu ça, qui ont appelé les gendarmes, et ainsi de suite. Alors, c'était, moi, ce qui m'a fait sourire, c'était l'histoire de la chasse aux œufs, tu vois, des enfants, et puis le mec qui était en train de montrer tout son petit matériel, là. C'était...
Quel âge a-t-il ? Oui, il a, moi je sais pas, 40, 45 ans. Bah, tu vois, il y a une chance aux yeux là. Il y avait une chance aux yeux aussi. C'est pas là qu'il était le monsieur. Non, non, un parc public, moi. C'est... Il me demandait l'autre jour, le palais. Ils l'ont construit autour de toi ou ouais, ben ah, oui, d'accord. Ils m'ont demandé mes conseils. C'est bien ça. Tu étais là présent, tu buvais ton café. Voilà, ben, tu sais, c'est ma deuxième maison en somme. Hein. Non, si on demande à ta femme, je crois que c'est ta première maison. Non, ah, bon. Parce que je retrouve une amitié. Je ne sais pas si c'est sa maison ou sa maîtresse. À quelques heures près, il est presque autant que nous. Nous, on est obligés, c'est notre travail d'y être un peu plus tôt, de faire les prises de service. Voilà. Mais... D'ailleurs, je vais te dire, le jour où je manque un jour, voilà, répondeur. Alors, Katia, tu es malade, où tu es ? Quand je suis parti à Draguignan. On peut être aussi ravitailleur autour de France. Ah parce oui. Que, si les parents, on n'a pas les bonbons. On n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau. Il faut l'eau. C'est comme un marathon aussi. Ouais. Malade, technique. Et on a ah ben, ils ne peuvent pas sortir. Je vais leur chercher à boire frais, de l'eau. Ouais. L'eau minérale. Hein. Voilà. Passe. Allez. À toi. C'est comme d'habitude. Explique-moi un peu ce qui s'est passé au tribunal cette semaine. Et il s'est passé un professeur qui a pendu sa femme. Il paraît que c'est elle qui se serait suicidée. Sa femme a déposé depuis leur jour de séparation en 2001 17 plaintes pour violence contre son mari. 17 plaintes. En plus, il avait interdiction d'aller chez elle. Il y allait quand même. Il téléphonait du matin au soir, il l'a harcelé, il l'a rendu folle. Si bien qu'elle a fait 3 tentatives de suicide. Elle les a faites, tu vois. Alors c'est pour ça qu'on a dit à un moment donné, elle s'est suicidée, rapport à ses harcèlements, et ses, tu vois. C'est sûr qu'elle a été tuée ou pas ? Quand elle a été étranglée, c'était bien, elle avait les pieds en dehors, mais quand le corps est redescendu, il y a le pied qui est reposé. Pas beaucoup, 10 cm, c'est tout. Hein. Ils ont calculé la distorsion de la corde ? Oui, ils ont fait venir un expert. En cordage. Voilà. Et ils ont fait un essai, ils ont tiré à mort dessus, ça augmentait de ça. Heureusement qu'ils réfléchissent pas trop. Autrement, il n'y aurait que des crimes parfaits. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Il a tenté de faire un crime parfait, justement, en faisant cette mise en scène. Exactement. C'est une mise en scène, bien sûr. Bon, qui a parlé là ? 90 piques. Alors voilà, à toi. La dame indienne, là, qui a découpé son mari à Saint-Denis, là. Elle a mis du poison dans son café, et le gars, il a commencé à agoniser, et elle a pris peur, elle a appelé son fils à Toulouse. Son fils, quand il est arrivé, le gars, il était encore en vie. Il agonisait, et il bavait, et tout. Son fils lui dit, viens, on l'amène à l'hôpital. Sa mère lui a fait, non, laisse-le tomber, laisse-le crever, bah, vois ce qu'il m'a fait. Il a vu sa mère, elle avait des hématomes et tout. Alors, pendant qu'ils discutaient comment on les allait faire, entre-temps, le gars, il a cassé sa pipe, il est mort. Elle a dit à son fils, on va le couper en morceaux. Mmh. Alors, dans la cuisine, elle prend un couteau de cuisine, et commence à couper. Son fils, elle a tenu les bras, son fils, il a commencé à couper avec le couteau de cuisine. Et comme il n'arrivait pas avec les autres, c'était dur à couper, elle a dit, bouge pas, on va chez le roi Merlin. Après, elle a ramené une scie électrique. Ils ont coupé le gars en quatre morceaux. Ils ont mis le gars dans les deux valises différentes. Le fils, il a jeté les deux valises dans le canal. Il pensait qu'elles allaient couler, et en fait, les valises, elles ont flotté. Mais pas très mal. Quand t'as affaire à la Londrue, toi, avec de l'acide chlorophylle. Voilà, tu fais comme si tu pars en vacances, tu t'arrêtes, tu t'éclates un peu partout. Et... Le lendemain matin, les petits jeunes, ils ont vu les valises flotter, ils ont appelé les flics et ils ont amené les valises. Après, les flics, le matin, ils sont arrivés chez la gonzesse. Les flics, ils ont vu comme elle était nerveuse, ils ont senti qu'il y avait un truc, ils ont mis le... Moustard. Hein ? Ça s'appelle un moustard. Pour retrouver les traces de sang. Ouais, ça fait ressortir le sang. Et après, ils ont trouvé les traces de sang, et voilà. Et ouais. Ce qui m'a plus choqué dans ce procès, c'est que son fils, en 3 jours de procès, il n'a pas levé le regard sur sa mère. Comme quoi, c'est sa mère qui l'a mis dedans, quoi, en fait. Peut-être lui, il voulait l'emmener à l'hôpital au début, il n'a pas voulu ça et tout. Il a pris 6 ans ferme, quand même, et sa mère, elle a pris 12 ans.
pris un peu le virus de la justice, quoi. Moi, je vais dire, c'est d'ailleurs un truc bizarre. Hein. La télé est pleine d'affaires. On fait revivre les affaires. En veux-tu, en voilà. Il y a des émissions à l'appel. Et dans les prétoires, il n'y a personne. Ou très peu de monde. Oui, par rapport à... Donc, le citoyen lambda se contente de l'article de presse ou des émissions de télé. C'est plus facile, tu regardes ça à la télé, et puis tu as l'impression de vivre un peu une série criminelle. Donc on ouais. raconte l'histoire. Ouais. Il colle parfaitement à la société actuelle. On va à l'essentiel. Et tant que tu n'es pas au courant du dossier, ben, tu peux difficilement dire quelque chose. Il vaut mieux s'abstenir et exactement. Tu dis rien. Quoi. Exactement. Exactement. C'est bien plus simple plutôt que de raconter n'importe quoi. Parce que exactement. Le commando s'était préparé à tuer Oussama Ben Laden. Lors des combats qui vont durer 40 minutes, le chef d'Al-Qaïda reçoit une balle dans la tête, selon des responsables américains. Nous avons attaqué. Il a été tué dans l'opération, mais si nous avions eu la possibilité de le prendre vivant, nous l'aurions fait. La mort d'Oussama Ben Laden suscite désormais des appels à la vigilance face aux éventuelles représailles. La France, par exemple, a renforcé la sécurité de ses ambassades. Et de... Allô, Denise ? Je dis, moi j'aurais préféré que, qu'on ne tue pas Ben Laden et qu'on le fasse passer en jugement. Je trouve que ça aurait été plus correct. Enfin, il me semble, non ? Plutôt que de jeter comme ça dans la mer, je trouve que c'est... Eh ben, comme ils avaient fait avec, comment il s'appelle, celui qui avait été pendu, là. Sen. Eh ben, c'était aussi une... quelqu'un qui avait été créé par les Américains, pareil. Et au début, ils le mettaient en exergue et tout, et puis alors après, ils s'en sont débarrassés, quoi. Ils rêvent ou quoi? Ils croient que ça va les arrêter? Parce qu'ils peuvent très bien nous attendre dans un cinéma ou n'importe où. C'est... Quand on voit les kamikazes, quand même... On peut se douter qu'il y aura des jeunes qui prendront la relève, hein, ça c'est sûr. Je prends mes clés. Ce soir, tu m'attends à 6h30 devant la gare de gauche. Moi, je sors de mon cours, on se retrouve à 6h30. D'accord. D'accord ? D'accord. Et si jamais il y avait un problème... Tu me téléphones. Et si jamais tu quittais le tribunal avant 6h15, tu m'appelles. Ouais, à toi. D'accord. Et ça fait 4 heures que je suis assis dans la salle. Mais avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, ben, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Ouais. On peut pas s'imaginer ce que c'est, ouais. Un jugement des tribunaux. Ouais. Je dis, mais les prévenus, les gens qui sont condamnés ou qui vont être jugés, je dis, mais c'est incroyable. On voit un peu de tout. On voit de tout. Ouais. On voit la société journalière ouais. telle que. On peut se la représenter dans un tribunal, dans un film. Pas du tout pareil. Bien sûr. Aucune comparaison. Et on voit bien que la justice est humaine, parce que, bon, en venant de temps en temps, je me rends compte que telle affaire jugée avec tel président, eh ben, il y aura plus de chances d'aller plus en prison que l'autre. Il y a des fois, c'est un peu différent. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, ça dépend de la gravité des faits. Ça peut dépendre du nombre de condamnations. Ouais, Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Oui, tout à fait. Mais bon, je vais retourner dans la salle. Bon, mais moi, je vais aller voir à l'audience. On peut aller au Conseil Colonna, oui. Oui, allez-y. Vous mettez à droite, madame, sur la file de droite. La file de droite. Là, ici, oui. Alors, ce procès d'aujourd'hui. Et résultat, alors maintenant, est-ce que c'est l'acquittement? Mais maintenant, l'acquittement, ça va honorer parce qu'en fait, il serait malade. Oui, l'aliénation. Oui, mais... bah, il faut non, bien non, la déficience mentale, ça m'étonnerait. Oui, dans son comportement. Non. Ouais.
ça ne marchera pas, cette... Ah, ça ne marche pas. Si, des fois, ça a marché. Hein. Vous avez perdu, vous m'avez dit 6, il a pris 8. Et là, vous êtes convoqué, là. Vous êtes convoqué à l'Odia, venez alors. Bah, c'est pas mal, ça va. Surtout qu'il ne fait pas 8 ans, là. Oui. Hein? Voilà. Combien il avait déjà fait? Pas beaucoup, il avait fait 8 mois. 8 mois. Bonne conduite, tout ça. Dans 2 ans, il est dehors. Tu n'as pas peur de faire appel? Qui te monte là? Il se connaît. Oui. Il risque de rien. On n'évite pas généralement à recueillir votre avis. Ah, ça c'est... On sait qu'on aura un bon procès. Et que ce soit en défense ou en partie civile. Hein, parce que vous n'êtes pas toujours en partie civile. Certainement pas. Hein, certainement pas. Un procès en défense. Hein. Bien sûr. Bon, oui, bien un peu sûr. Plus difficile quand même. Et quelque chose qui est toujours très précieux pour nous, c'est de sentir un peu le temps qui peut être donné à un procès. Vous avez l'habitude de voir différents jurys, différents précédents qui se sont succédés ici. Vous connaissez le temps, vous connaissez la tournure que peut prendre un événement. Et parfois, vous avez peut-être le recul pour le sentir avant nous. Ça, je m'en cache pas, et c'est une réalité, et tous mes confrères le disent. Ah oui. C'est-à-dire à savoir que tel élément que vous allez percevoir va peut-être amener telle conséquence. Et ça, vous m'avez dit tout à l'heure 150 jours de présence. Mmh. Dans cette salle l'année dernière. Hein. Sur une année, c'est une richesse inouïe. Parce que les vibrations, vous les sentez. Mais... Les intonations, vous les sentez. Ah oui, mais sans... Quand on est là, on ne peut pas le ressentir non, au cinéma. Non, c'est pas pareil. On n'a pas un regard déjà de spectateur. Mmh. On est acteur. Et l'acteur ne peut pas se permettre de envisager les choses comme ça. On voit mieux les choses en état assis, mais en suivant du début. Il ne faut rien rater. Il faut tout entendre et tout voir. À mon époque, hein. Tu voyais les robes des avocats et des procureurs et tout ça, tu tremblais intérieurement. Hein. Maintenant, les jeunes, des fois, ils insultent le procureur, ils insultent le juge. Moi, j'en ai vu plein, là, à Bobigny, insulter le procureur. Ils prennent des peines, t'as bien vu, des fois, le mec, il paraît libre. Le mec, il paraît libre, il arrive, tu prends pas, tranquille, il dit, tout je vais là-bas, je suis libre. Plein de gel, plein de gel. Ce soir, je rentre à la maison. Il y a un beau film, les postes à ce soir. Hop, merde, mandat de dépôt, bracelet à la barre. Mmh. Le mec, il n'a même pas une tulope pour aller en prison, il n'a même pas mis son change. Il a vu le chinois, le frère, il a dit, menotte, direct. Ah ouais. J'ai une fraction de seconde. C'est dur, le juge, là. Pas de cadeau. Tout le monde sait quand il passe avec lui. Il est mort. Pouh il massacre. Alors, ouais. Tu passes avec lui, t'es mort, tu passes avec l'autre. Et moi, Ah, tu sais quoi, non. Les présidents et les procureurs, dès qu'ils voient l'avocat, ils se calment. Ils se disent, putain, le mec, quand il va plaider. Il va me contrer de tout ce que j'ai dit, j'ai passé pour un con. Quand tu vois les avocats qui sont commis d'office, t'en as qui prennent leur boulot vraiment à cœur, qui descendent dans les geôles, qui vont écouter quand même le prévenu, qui essaient d'en sortir quelque chose, qui essaient de rencontrer la famille, qu'on leur porte des documents, prouvant qu'ils travaillent, ainsi de suite, qui essaient de défendre le prévenu. Et t'en as d'autres... Ils ont l'air de s'en foutre. Et par rapport au nombre de condamnations à de la prison, le nombre de personnes qui n'ont pas de peine parce qu'effectivement, il n'y a pas de place, c'est pas possible de mettre tout le monde en prison. Donc, entre la prison et rien, il y a peut-être autre chose à trouver, quoi. Hein. Je sais pas. Puis bon, dans les prisons, actuellement, je disais l'autre jour, le gars qui a été condamné une première fois, qui a fait de la prison, puis la deuxième fois, il a fait encore des bêtises. Le tribunal le condamne à de la prison, et puis il lui demande « Est-ce que vous prenez de la drogue ?»« Est-ce que vous... Ah oui, je prends de la drogue, oui, je suis dépendant. »« Dépendant de quoi ?»« Mais du cannabis, et depuis quand vous prenez du cannabis ?»« Ah mais je l'ai pris depuis la dernière fois que j'étais en prison à Bois-d'Arcy. » C'est là qu'à Bois-d'Arcy qu'il avait commencé à prendre... Si, c'était là qu'il avait commencé à prendre... Tu te dis quand même que des fois, si, que la prison, ça ne doit pas non plus arranger tout. C'est là, Julien. C'est là. On a plus 20 ans. Et banane. Oh, avec des vieux alors. Voilà, 5. Demain matin, l'avocat de la défense a demandé un psychiatre. Oui. Pour faire passer son client comme fou. Mais il n'est pas fou. Mais il n'est pas fou du tout, puisqu'il était professeur de maths.
Mais déjà, la partie civile m'a dit, mais on demandera une contre-expertise. Alors, on dit, il est faux, mais pas du tout. Non. Oui, il semble que c'est un cas désespéré de son client. Voilà. Qu'il va reprendre la même condamnation en 20 ans. Alors, il va essayer, en le faisant passer pour un peu fou. De diminuer. Ouais. D'ailleurs, quand on l'interrogeait, c'était une machine infernale. Il fallait que son avocat lui dise, mais arrêtez, taisez-vous. Il gueulait même. Hein. Et de parler, il disait des fois des conneries, tu vois. Ouais. Alors, son avocat, il dit, il est fou. Là où j'en veux un peu à ce métier, de ce métier de flic qui a duré pendant, enfin le gendarme, qui a duré pendant près de 34 ans, c'est que j'ai pas vu le temps passer. J'ai vécu une vie à 100 à l'heure. Ouais. Mais toi, j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que toi, tu es quelqu'un qui... Tu te retrouves glissé dans ce domaine judiciaire où tu sembles particulièrement te complaire. Le dernier procès que, où j'étais, où la personne a dit « Ouais, c'est moi qui ai tué. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'avais tous mes moyens pour faire ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. » Moi, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de dur pour une personne, pour moi par exemple, d'entendre une personne dire « Oui, je voulais tuer. » Naturellement, on commence à rentrer dans le jeu du procès. Ouais, c'est ça, le problème. Et puis après, on aime quand même savoir... Donc, tu es attiré par l'intrigue, en fait. L'intrigue et naturellement par la conclusion qui est ce qui arrive. Quoi. Donc, quelque part, tu vis comme les autres, tu vis le procès. Je fais mon film, comme on dit. Voilà. Et puis après, je veux voir la conclusion des autres. Lui, aujourd'hui, il se présente pour assassinat, qu'il a pendu sa femme, il dit « oui, je l'ai pendu, oui, je l'ai assassiné. » Qu'est-ce qu'il va avoir? Rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme... Qu'est-ce que tu veux, il l'a avoué, ça y est. Quel suspense, on sait que c'est lui maintenant. Mais, on le sait. Oui, mais et supposons que lui, il dit ça par bravade pour couvrir quelqu'un d'autre. Non, mais non, il n'y a pas de bravade. Si par exemple, c'est sa mère qui a fait l'affaire. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe il n'y a qu'en Amérique que ça existe. Mais si ça n'existe pas. En Amérique, ça existe. Non. Les Américains, ils veulent leur justice aller mieux que la nôtre. Ah, je connais pas bien. Parce que le riche ou le pauvre, c'est dans la même. Bah, ça, c'est bien. J'ai dit, j'étais dans un café avec une copine, comme ça. Je vois un mec passer avec un sandwich. Et alors ? Il passe avec un sandwich et je demande au patron d'un sandwich. C'est un Auvergnat. Et alors ? Un Auvergnat. Alors, je t'explique. Il me ramène deux bouts de pain dans une soucoupe. Deux bouts de pain qu'il a ramassé dans la cuisine, qu'il y a deux restes. Après, je lui dis, c'est quoi ce sandwich là, que vous m'apportez, monsieur Nara? Je lui dis, ramenez-moi un sandwich complet ou... Il m'a regardé, il m'a dit, non seulement tu vas le bouffer, mais je vais te le faire bouffer. Et il m'a mis une gifle. Ouais. Je me suis retourné, je lui mets un coup de pompe. Ouais. À l'époque, j'avais des Santiago. Et j'ai mis le talon, il lui est rentré dans les couilles. Il est tombé par terre. Et il agonisait, la bave, les yeux révulsés, tout ça. J'ai dit, oh là là, je l'ai tué. Je me suis barré. J'ai barré chez ma copine. J'étais en cavale hein, pratiquement, parce que les flics ils me cherchaient partout, la gendarmerie, c'était les gendarmes à l'époque. Ils viennent chez ma copine, ils ont sonné à la porte, elle a regardé par l'œil ton, elle a vu les képis. Elle m'a dit, il y a les camels, il y a les flics. Je ne pouvais pas sauter par le balcon, je me suis mis derrière les doubles rideaux du salon, et les flics ils sont rentrés, ils ont vu mes pieds dépasser d'un double rideau. Et après ils m'ont envoyé en préventive à Pontoise, je suis resté 4 mois sans aucune nouvelle. Mon père il m'a pris un avocat à 1000 francs, je sais pas quoi, bon marché. Et le gars que j'avais l'embrouillé, ils ont pris un avocat. Il parlait en latin l'avocat. Il parlait en latin, il plaidait en latin. Mon avocat, ils n'avaient plus où il en était. Il parlait latinus, cet individu, canius, il disait des proverbes en latin. 26 000 francs d'amende j'ai eu. Voilà. Le mec, il est venu à la barre, il pleurait. Je ne peux plus baiser, j'arrive plus à bander. Le juge, il m'a dit, peut-être j'aurais plus d'enfants à cause latin, de ce problème. Il parlait en latin, je t'ai dit. Il a dit 2-3 phrases en latin. Cet individu, canaius, machinus, ils m'ont niqué la gueule, bien comme il faut. Hein. J'ai pris 1 an de prison, 10 mois ferme et 2 mois de sursis. Ils m'ont marqué sur le Parisien. Ah, ils m'ont mis mon nom, maintenant ils mettent les initiales d'un mec comme ça, c'est pas une affaire du siècle. Hein. En première page, c'est marqué pour un sandwich, un modèle réduit, 10 mois de prison pour le digérer.
Tu te rends compte? Ils ont mis ça en gros titre. On rigole maintenant, mais moi... On rigole maintenant, mais moi, je ne faisais pas rigoler, parce que tout le monde se foutait de ma gueule en prison. Là, pour un casse-tête, tu te retrouves ici. Moi, j'ai été transféré à Fleury-Mérogis. Après, on m'a donné un costume pénal. Un costume gris en toile c'était des couvertures, ça. Là, des anciennes. Ouais, ah, mais ça, bah, attends. Après toi, j'étais corvée de pommes de terre, je faisais le charbon et tout ça. Ah ouais, ça rigolait pas. Bien. Après, ils m'ont mis des entrailles, comme Vidocq, à l'ancienne. Ils m'ont mis dans des fourgons cellulaires. On est vieux, quand même, hein. Ils m'ont attaché dans les... J'ai l'impression que c'est des films que j'ai vus il y a... Et ah ouais, Cayenne. Que j'ai même pas vu. Ah, c'était Papillon. Ils m'ont mis les entraves. Aux pieds et aux mains. Tu racontes des conneries, c'est pas possible. Sur la vie de mes enfants, je te raconte pas de conneries. C'est ça. Ah, exactement. À notre époque, à nous, quand on était jeunes. Quoi, dans les années 78, je te parle, 79. Ouais. Ils m'ont mis les entrailles aux pieds, aux mains, et j'étais attaché. Attends, j'étais attaché avec un grand pédophile et avec un grand assassin. Ils m'ont mis avec un mec qui avait assassiné. Ah, t'as pris le rôle, j'ai parlé comme ça. Je te jure, c'est pas des conneries. Mec, il était plein de boutons. On était à la douche, j'étais à la douche avec lui, il m'a dit qu'il a assassiné 5 personnes, lui. Ah, et je prenais ma douche avec lui pour moi, pour un sandwich, je me retrouvais avec un mec comme ça. Il m'a coûté cher, le casse-dalle. Hein. Il m'a coûté très cher. Ça, c'est la seule fois que j'étais en prison. Et j'ai gardé cette expérience de toute ma vie. J'ai plus jamais mangé de casse-dalle. J'ai plus mangé des casse-dalle de chez les Auvergnats. Je mange des Grecs. Transmis au tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président ne serait pas en mesure d'assister à son procès qui doit s'ouvrir lundi, une santé fragile, évoquée depuis des mois et qui est aujourd'hui confirmée par ses proches. Joanne de Portal. Allô, Denise ? Oui, voilà. Alors, je voulais te dire qu'il va y avoir le procès Chirac qui s'ouvre lundi. Oui, mais il n'est plus président maintenant depuis un moment déjà. Non. Non, ça a traîné en longueur. Je pense qu'on a fait traîner exprès, je sais pas. C'est trop bizarre quand même. Il avait des fonctions. Ah, c'était un haut responsable, hein. C'était pas un petit béni oui. Eh bien, toute l'atmosphère, parce que quand même, c'est impressionnant quand même. Quand tu sais que quelqu'un risque quand même des années de prison, ça rigole pas. J'aurais aimé aller au procès de Strauss-Kahn. Non, mais s'il y avait eu un procès. Ah ben si, je... Ah ben bien sûr, quand même, pour savoir le fond de l'histoire, quand même, parce que c'est pas clair. Et parce qu'en plus, si tu veux, les procureurs sont élus. C'est pas comme chez nous. Non, ils sont pas élus, non. Non, ils sont soumis au pouvoir hiérarchique, ils sont... Et heureusement, parce que c'est très... Quand tu dépends du peuple, dis donc, c'est dangereux quand même. Et dans ces sévices-là, j'ose à peine le dire ce qu'ils lui ont fait. Hein. Ils lui ont fait avaler les clés de son appartement, ils lui ont fait avaler de l'eau de Javel, ils lui ont fait avaler son urine. Ils lui ont mis le visage sur une plaque chauffante, ils lui ont brûlé le visage. Bah ça, ce sont des procès que je n'irai jamais. Ils lui ont coupé un bout du lobe de l'oreille avec des ciseaux. Ils lui ont coupé un bout de l'orteil. Ouais. 120 impacts de coups de ciseaux, de couteaux. Ouais. Ils se saoulaient, ils étaient sous ce jour-là. Et ils ont pris cette malheureuse qui habitait sur leur palier. Mmh. Ils l'ont violée, bien sûr. Ça y est. Ils l'ont violée. Ça y est. Et tout ça pendant 3 jours. Mais ça, c'est... Il y a le médecin légiste qui a dit, je n'ai, dans toute ma carrière, jamais vu autant de séquelles sur le corps d'une personne. Et elle vit encore. 120. Et elle vit. Et elle vit encore. Ouais, tu vois, de barbare avec le souverain, elle la voit maintenant. Ben, quelques années après. Voilà. Elle est très courageuse, cette femme. Bon, mais ils ont eu le maximum, hein, 30 ans et 25 ans. Parce qu'il faut me rassurer, parce que je vais finir par croire qu'à force de voir tant d'atrocités, tu deviendrais insensible. Non, je suis sensible, mais plus au point de quelqu'un qui vient pour la première fois. Il y a certains procès que j'ai assistés ou que j'ai vus, je t'assure que la nuit, j'en fais pas des cauchemars, non. Mais je me réveille et je me remémore la scène et je dis, mais mon Dieu, mais c'est... Mais c'est pas possible. Je pense après à toi, j'ai dit, mais comment fait-il, Jackie, pour, quand il me raconte certains faits de viol ou que moi je ne vais pas, c'est vraiment de l'horreur,
J'ai dit, mais il doit faire des cauchemars, lui. Non, pour ne jamais avoir aucun ressentiment, c'est que vraiment... Il y a quelques années en arrière, c'est certain que, comme tout le monde, je faisais des cauchemars. J'avais dans des procès la gorge serrée. Il y a toujours des atrocités. Un assassinat, c'est une atrocité. Il ne faut pas perdre sa sensibilité. Non, et son humanisme non plus. Mais tu rentres et tu t'en vas quand tu veux, hein, ex. Bon appétit. Bon appétit. Je n'aurais jamais pensé que les médecins légistes, quand ils viennent témoigner, qui montrent les photos et la victime et tout ce qui se passe. Parce que moi... Il faut bien que les jurés se rendent compte de... De ce qui s'est passé. Ça m'a quand même fait quelque chose de voir... Dès que la victime... Que, ça ne semblait pas abstrait. Non, ce n'était pas abstrait, absolument pas, au contraire. Ouais. Alors j'ai demandé Beaucoup de gens le mettent en abstraction, quoi, en fait. Là, mais donc, tu aurais fait un très mauvais juré. Mais moi, ça m'a vraiment... ça m'a marqué, ça. Le juré, il a connaissance de l'ensemble du dossier. Comment veux-tu qu'il se forge une opinion si tu lui trompes une partie du truc. Oui, c'est sûr. Tu sais que les gendarmes et les policiers... Ils sont toujours les premiers. Non, on assiste aux autopsies. On assiste, on est là, dans la salle d'autopsie. Ah oui? Oui, on est là, à côté. Mmh. Et pendant le temps que le légiste, il nous explique de quoi est morte la personne. Et on assiste au découpage complet. Et bon, c'est bien pour toi en tant qu'individu, parce que, par exemple... Si le légiste découvre une maladie quelconque, il dit voilà, ça c'est une cirrhose, ça c'est... Voilà. Donc en fait, t'as ta culture à toi. Ouais. Non mais ça fait partie des données. Ouais. Non mais là... C'est déjà aussi terminé ou je dois vous laisser la salade? Et depuis que je connais le tribunal, la période du ramadan, je le fais les doigts dans le nez, parce que je ne vois pas le temps passer là-bas. Ah, c'est clair. Alors, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif, tellement je suis pris dans l'engrenage, c'est une sorte de thérapie. Mais là, je rigole, c'est pourquoi? C'est rigolo, parce que c'était avant Sarko. J'étais en état d'ébriété. Oui. Parce que j'ai un conflit avec ma femme. Bon, je suis honnête, j'étais en état d'ébriété. Et donc, je sais pas qui c'est qui a prévenu la police. La police, ils arrivent. Bon, c'est sûr qu'avec 3 grammes... Sur la voie publique. Oui, sur la voie publique. Mmh. C'est sûr qu'avec 3 grammes, t'as pas toute ta tête. Wow. Alors, les poulets, ils arrivent à 2. Bon, moi, évidemment, ils sortent les menottes. J'ai pas envie de me faire menotter. Donc, je me débats un peu avec 3 grammes. Je suis plus moi-même. 3 grammes, c'est quoi? Ils arrivent même pas à me menotter. Et un petit malin, un citoyen en voiture, il s'arrête, il met le frein à main, il descend pour les aider. Bon, après, ils ont réussi à me noter. J'arrive au commissariat de Noisy-Sec. Je rentre, dis donc. J'étais frais comme un gardon, j'étais comme un bébé. Je ressors. J'étais défiguré. Tiens, regarde. Ils m'ont pris pour un punching bag. Et après, là, comment tu veux? C'est possible d'être tombé comme ça? Tu crois que j'ai. Regarde mes chaussures. Non, mais pourquoi? Là, ils tombent massacrés. Moi, les chaussures, là. Ils me tiraient comme ça par terre. Ils m'ont pas porté, ils m'ont tiré sur 20 mètres. Pauvre Jacques, oui, je te reconnais même pas là-dedans. Ils t'ont bien maquillé, hein. On dirait que t'as fait le combat à la coupe kickboxing. J'ai jamais vu un boxeur avec une tête comme ça, que je te raconte. Et le mec il a le culot de porter plainte pour outrage, rébellion. Et en plus, il me défigure, et en plus, je lui donne 300 euros. D'amende. Et tu sais le hasard des choses? Tu sais pas le hasard des choses? Un jour, j'arrive en cours de procès. J'avais pas assisté au début. J'arrive en cours de procès. Et au fil des débats, j'entends Noisy-Sec, Jean-Marc, mais son nom, je me rappelle toute ma vie. Sa femme, elle l'a tué. Ce policier, sa femme l'a tué. Parce qu'il a vivé un enfer avec lui. Et comme il était souvent chez sa mère, moi, sûrement, ce qui lui a fait ce déclic de me tabasser, me défigurer, c'est que j'ai traité sa mère. Voilà la raison des courses. Tu sais, depuis cette histoire-là, quand je vois des flics qui sont au tribunal, il y en a tous les jours. Quand je les vois qui plongent, j'ai envie de boire un coup, je suis trop content. Je mets mon réveil pour aller voir le procès. Là, j'ai du mal à mettre le réveil, mais là, s'il y a un poulet qui est tombé ou deux, alors là, je suis content.
Allô, Denise ? Oui, voilà, ça va ? Bon, alors je vais te parler d'un procès auquel j'ai assisté. Hein. Alors c'est une femme qui dont le mari buvait et elle était l'objet de violences conjugales. Alors le jour du meurtre, eh bien, je te dis, il était rentré très tard et il avait bu. Et pour se défendre, elle a pris un tournevis et elle l'a tué. Oui. Contre la poitrine. Et ben, figure-toi que ça a causé la mort immédiate. Et alors, il est tombé. Et elle a cru qu'il s'était endormi comme il avait bu, tu sais. Elle s'est dit peut-être qu'il est fatigué, qu'il s'est endormi. Elle n'a pas réalisé qu'elle l'avait tué. Et donc, ça ne saignait pas, il paraît, parce que c'était interne, c'était une blessure interne. Oui. Et alors, c'est après, comme elle voyait qu'il ne revenait pas à lui ni rien, donc elle s'est inquiétée, on a fait venir le médecin, et là, évidemment, et la police. Et là, on s'est aperçu qu'il était mort. Mais je trouve que c'est quand même dommage qu'on en arrive à des extrémités comme ça. Elle aurait pu se séparer de lui. Et... Oui, parce que c'est... Elle a tué quand même. Hein. Et... Mais c'est curieux qu'un seul coup de... Parce que c'est transversé comme ça, c'est curieux quand même. Bonsoir. Allez. Ouais. Salut. Alors, ta journée, comment elle s'est passée ? Ben, c'est fini, le procès a été fini aujourd'hui. Ben, le monsieur qui était la personne qui a tué sa sœur, il en a pris pour 12 ans. Moi, j'étais un peu étonné parce que j'avais pensé qu'il allait être puni beaucoup plus que 12 ans. Oui, alors c'était dur. Hein. Ouais, surtout quand tu vois la maman qui a assisté à l'exécution de sa fille, parce que quand le frère a tué sa sœur, ben, elle était à côté. Elle avait 80 ans quand c'est arrivé. Et malheureusement, elle n'a pas pu faire grand-chose et elle a vu comment son fils a tué sa sœur. Donc là, j'ai pensé à toi, c'était toute la journée, je me suis dit comment ça s'est passé. Ouais, donc. C'est pas toujours facile. Et à la fin, il a même dit, toi, voilà, maintenant c'est fini, maintenant elle est morte. Voilà. C'est ce qu'il a dit devant le tribunal et il n'a pas regretté. Il a dit, je sais ce que j'ai fait. Depuis longtemps, je voulais la tuer. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est voilà. Malheureux. Donc on verra la suite. Bien, ça, c'est fini maintenant. Ouais, pour cette fois-ci, c'est fini. Ouais, on verra autre chose la prochaine fois. Oui. De toute façon, on revient toujours au même. On est citoyen d'un pays. Les institutions, il faut savoir comment ça marche. Si tout le monde laisse faire, les juges, ils vont être que seuls, ils vont faire leur petite affaire. Mais c'est vrai que les gens ne s'intéressent pas. Tu vas à l'Assemblée nationale, tu vas au Sénat, il n'y a personne. Ouais, alors que ça nous concerne tous. Mais c'est surtout que j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi tu vas ? Tu as envie d'aller au tribunal. Effectivement, le tribunal, bon, il y a un jugement qui est fait par des hommes qui jugent d'autres hommes. Et donc, la justice divine, c'est que c'est Dieu par rapport à toutes les personnes qui arrivent qui décèdent, qui vont au ciel, en enfer, au purgatoire. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, bon, mais t'es pas bien en forme, ainsi de suite. C'est ta fin prochaine. Voilà, voilà. Et parce que j'allais pas avant d'être malade au tribunal. Autrement dit, tu vas au tribunal maintenant parce que tu es malade, que tu crains de mourir très prochainement et que tu veux savoir comment les hommes traitent effectivement leurs semblables et tu te projettes dans un avenir que tu penses proche, mais que je ne souhaite pas parce que moi je ne suis pas prête. À savoir comment Dieu te jugera quand tu mourras. Le jugement dernier, ça pourrait exister. Donc voilà, je me dis, tiens, mais tu vois que les hommes, c'est comme ça. Est-ce que le jugement divin est de la même chose ? Parce que je suis malade, donc tout ça est accéléré. Hein. Enfin, de toute façon, je trouve que... Les jugements des hommes, certainement, doivent être un peu réducteurs par rapport au jugement de Dieu, d'accord. Au jugement divin. Mmh. Enfin, je ne te dis pas ça pour que tu arrêtes d'aller au tribunal, hein, tu peux y aller. Hein. De toute façon, le jour où tu seras jugé
tu viendras me dire, tu me souffleras pour savoir si tu t'étais effectivement trompé ou si tu avais raison effectivement de prendre des leçons auprès des hommes, parce que moi j'ai bien peur que ce ne soit pas du tout la même chose. D'accord. Hein ? Mais on n'est pas pressé. Non, mais peut-être que cette idée, que ce que je dis, est complètement farfelu. On pourrait penser que s'il y a une autre justice dans l'au-delà, mais que la justice, elle est pour tout le monde pareil. Enfin, je ne sais pas. Elle sera pour tout le monde pareil, c'est voilà, évident. Voilà. J'en pense, mais bon, si ça existe. Hein. Bonjour Denise. Comment tu vas ? Et toi ? Ben écoute, très bien. Ça va ? Oui, oui, ça va. Alors, toujours passionné par les tribunaux ? Toujours, toujours. Oui. Et dis-moi alors, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça ? Ben sur la psychologie des gens, c'est parce qu'on voit l'intérieur des gens quand même. D'accord. Parce que pour arriver à des choses comme ça, et ne pas vouloir se protéger, c'est curieux quand même. D'accord, donc ce qui t'intéresse finalement, c'est de savoir comment l'homme peut arriver à faire des choses oui, parce que là, c'était ahurissant quand même. Elle a pris un tournevis. Et elle l'a planté comme ça, et donc elle s'est pas rendue compte qu'il était mort. Elle croyait qu'il dormait, d'accord. Et ce n'est que au moins 2 heures après qu'elle s'est aperçue qu'il était décédé. Donc elle a appelé la police, et là on a constaté qu'il était mort. D'accord. Et j'ai du mal à comprendre qu'avec un simple tournevis, on puisse transpercer les poumons. C'est curieux. Enfin, je ne pensais pas qu'on... Je n'ai pas essayé, hein, c'est pas ça. J'espère bien. Non, mais je veux dire, ça ne viendrait même pas l'idée. Oui. Mais je veux dire, c'est étonnant quand même de penser que... Je t'accompagnerai avec plaisir. Bien sûr, vraiment. Bien sûr. Et je te dis, c'est toujours l'après-midi. Hein, c'est Très bien. Alors, il faut porter ses papiers, bien sûr. Et puis, d'accord. Et ouvrir son sac. À une prochaine fois. À bientôt. Et à une prochaine fois, avec plaisir, au palais de justice. Au palais de justice, d'accord. Moi, je peux te poser une question ? Ouais. Regarde. On va supposer, hein, d'après ce que moi j'ai vu du procès, on va supposer que toi, tu voudrais faire un meurtre parfait. Oui. Quelle est l'erreur ? Quelle est l'erreur ? L'erreur que tu ne commettrais pas, pour qu'il l'erreur soit... L'erreur que tu ne commettrais pas, c'est... Pour qu'il soit parfait. Quand le mari la pend à la corde, une fois qu'il l'a étranglée, il met une chaise pour faire croire que bon, elle était sur cette chaise, elle a poussé un peu la chaise, elle est trop lourde, la chaise n'a pas été assez loin. Mais manque de peau, la chaise n'a pas été loin, mais la corde s'est tendue de plusieurs centimètres, que le pied, au lieu d'être dans le vide, il reposait. C'est pas la vraie question que tu t'es posée. Moi, je t'ai posé la question de toi. Et ben voilà. J'aurais pas commis ces erreurs. Ah oui, mais toi, qu'est-ce que j'aurais pas commis ces erreurs. C'est par exemple, tu voudrais me suicider, moi. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je fais? Tu veux me zigouiller, moi. Tu as une façon, d'après les procès comme ça que je vois, au barbiturique, après dans la mer, balancé en pleine mer. Ah, carrément. Ah, voilà, on ne retrouve plus rien. Et là, on ne retrouve plus de corps. Il n'y a plus de. Il n'y a plus d'expertise. Il n'y a plus de médecin légiste. Il n'y a plus rien. On ne retrouve pas le corps. Agnès Leroux, on l'a trouvé? On ne l'a pas trouvé. Ah, d'accord. On ne l'a pas trouvé. Et toi, dans ton subconscient, tu serais tranquille avec ça. Si on ne retrouve pas le corps, comme c'est arrivé dans X procès d'assassinat, on n'a pas retrouvé les corps, le résultat, résultat, c'est qu'on n'a pas trouvé de coupable. Voilà.